Et bah enfin, le retour de Manon Aubry, le retour de Manon Fromage. Alors, le retour, oui et non. La vidéo que je souhaite qu'on regarde ensemble date de 4 mois, et j'en ai trouvé une autre qui date de 6 mois. Alors, c'est sur le même plateau, interviewé par le même gars, donc Tom Benoît. Tom Benoît, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le gars qui avait interviewé Bruno Le Maire et qui l'avait littéralement séché. Mais séché, Bruno Le Maire, il répondait même pas aux questions. Enfin, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui est parti en Suisse, voilà. Après avoir fait un déficit de zinzin en France, il s'est dit, hein, on sait jamais, ça pue un peu, je vais en Suisse. Voilà, merci Bruno, merci, merci pour ces milliards qu'on doit rembourser. Merci Bruno, vraiment, t'étais un bon gars. Et donc là, il interview Manon Fromage. Alors, celle que je vais vous montrer encore une fois, c'est cette vidéo, celle... Là, il la sèche, vraiment. C'est-à-dire que Manon Fromage, je ne sais même plus quoi dire. Là, mais calme-toi, Manon. Et dans celle-ci, je ne sais pas. Donc celle-ci, c'est un peu bonus. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc celle que je vais vous montrer en premier, c'est celle-là. Elle régale. Donc, Manon, c'est à toi. Régale-nous. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, retour sur le programme économique. Absolument. Alors j'ai entendu, j'ai lu votre programme et j'ai écouté certains de vos meetings que vous voulez instaurer un SMIC européen qui se situerait autour de 1600 euros à peu près et également un revenu universel pour ainsi dire pour les étudiants aux alentours de 1200 euros. Mais est-ce que ça vous semble pas être une mesure inflationniste pour une même catégorie de la population? 1200 euros pour des personnes qui travaillent pas, 1600 euros pour des personnes qui travaillent, c'est viable? Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, pourquoi on veut une allocation d'autonomie pour les jeunes? C'est parce qu'on a aujourd'hui un jeune sur deux qui travaille en plus de ses études pour pouvoir réussir ses études, Eh oui. un jeune sur deux qui dépend de l'aide alimentaire. Il n'est pas normal, dans la septième plus grande puissance économique mondiale, qu'on ait des étudiants qui doivent abandonner leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc c'est la raison pour laquelle on propose cette allocation d'autonomie. On l'a chiffrée au niveau européen, elle coûte à peu près 50 milliards d'euros, ce qui est largement finançable. Mais finançable. Ensuite, par quoi? Un emprunt? Non, il y a plusieurs éléments de financement. Par exemple, l'ISF que j'évoquais tout à l'heure, il rapporte 250 milliards d'euros. Donc vous pouvez financer à la fois une partie de la transition écologique et financer cette allocation d'autonomie, qui est, je pense, une des manières aussi de redistribuer les richesses. Vous prenez à ceux qui ont le plus Ah et vous voilà, permettez... on y vient. Alors je suis désolé, je coupe, hein, mais taxer les riches, taxer les riches. Mais Manon, calme-toi, voyons, c'est pas ton argent. Calme-toi, Manon. Et... aux jeunes générations de préparer l'avenir et d'étudier dans de bonnes conditions. Ensuite, sur la différence entre le salaire minimum et l'allocation d'autonomie, première chose, 400 euros, c'est peut-être peu pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour d'autres. Non, mais je c'est sais rien. Plus quelle Pour... était Non, la... mais entre une personne qui travaille tous les jours... Pardon, 400 euros? Non, mais entre une personne qui travaille 400 tous euros, les jours, monsieur? madame, qui se lève le matin et qui rentre le soir, et une qui travaille pas et qui reste 400 fidèle, euros? 400 euros de différence, c'est pas beaucoup. Alors, je sais pas quel est votre salaire, mais allez dire à tous ceux qui touchent le SMIC que 400 euros, Non, mais c'est je rien connais dans pas leur le vie. vôtre, ni celui de Jean-Luc Mélenchon, 400... c'est pas la Moi, je peux question. vous le dire, Ça m'intéresse pas, je vous le demande pas. Mais manifestement, vous n'avez jamais été au SMIC de votre vie, parce que 400 demande pas. euros Vous trompez. pour des gens qui galèrent, pour des gens qui galèrent. 400 euros pour des gens qui, dès le 20 du mois, Mais sont c'est en pas la rouge, qui ne question, savent pas comment Manon. ils vont payer leurs Non, je peux pas factures. vous permettre de 400 dire ça. euros, Je vais vous dire une chose. Manon, oui, vous savez, il y a c'est une une énorme France différence. d'entrepreneurs. J'ai jamais été au SMIC, mais j'ai jamais été salarié. J'ai toujours été entrepreneur. Et je crois qu'il y a une partie des entrepreneurs de France aujourd'hui qui sont étouffés par les prélèvements obligatoires. Alors, j'ai c'est une compris. Autre question. Non, mais c'est une autre question. Mais on y répond. On vient. Non, mais la question n'est pas posée. Juste en s'il reste 2 minutes. J'ai compris que vous voulez taxer les riches, un impôt sur la fortune, mais pourquoi ne pas essayer de favoriser les petits entrepreneurs, peut-être? Eh bien, je favorise les petites entreprises, vous savez comment? J'ai rien vu dans le programme. Ah bah, vous l'avez mal lu, mais ça tombe bien, je suis là pour le répéter. Ouais. Les petites entreprises payent 10 points d'impôt de plus que les grandes entreprises voilà. multinationales. C'est parce que le bar au coin de la rue, c'est parce ouais. que la librairie au coin de la rue n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors que Starbucks et Amazon en ont. Eh bien, cette injustice fiscale, c'est le cœur de mon métier, c'est ce sur quoi je travaillais avant d'être élu au Parlement européen, et on le combat notamment en listant les paradis fiscaux. Paradis fiscaux. Le Luxembourg. Non, mais là on parle des super profits des très riches, mais non, madame, non, ma question, je parle des petites pourquoi ne entreprises. pas abaisser, par exemple pour les petites entreprises qui font moins de 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, les prélèvements obligatoires? Je viens de vous dire que je suis pour rétablir de l'équité fiscale dans le paiement des impôts. À l'heure actuelle, les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses Donc, entreprises. Donc on augmente Donc, les impôts des très riches, mais surtout non. on n'abaisse pas les impôts non. des moins riches. On fait en C'est sorte fini. que les grandes entreprises payent leur juste part d'impôts. Quand Bernard Arnault, LVMH ou
total paye quasiment 0% d'impôts. Pour moi, ce n'est pas normal. Par ailleurs, il profite d'un système. Si c'est vrai, il profite. Total n'a pas payé d'impôts en 2019 et en 2020 alors qu'ils ont fait des milliards d'euros de profits. Et donc, ce n'est pas normal. Et je suis pour faire en sorte que, bah oui, quand vous êtes une entreprise, évidemment, vous bénéficiez d'un système de route, d'un système d'éducation, d'un système de protection sociale auquel vous devez contribuer. Il n'est pas normal que les petites entreprises payent à la place des grandes. C'est une vraie photo ou c'est qu'on a vu derrière vous C'est une vraie photo. En gros, la question c'est non, mais c'est pas possible, t'as pas vraiment fait ça. Même lui se dit non, on a pas fait ça, c'est pas possible, c'est de l'IA. C'était fait par ChatGPT, dis-moi que c'est faux. Tax the week. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo, ce machin. Photo, et moi j'assume de dire qu'il faut taxer les plus grandes fortunes et les entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste valeur. Vous pouvez offrir ce t-shirt à Tom Benoît, s'il avec vous plaît. Grand plaisir. Ouais, merci Tom Benoît. Moi je le porterai en disant favoriser les classes moyennes et les gens qui travaillent, qui entreprennent. Et vous verrez, c'est tout à fait cohérent. La une de Géostratégie, alors en grand entretien avec Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, qui parle du déclassement français. Nous traitons des sujets européens également. Je m'en remets pas. C'est vrai, Macron, l'américain, c'est un dossier d'investigation et c'est un partenaire en fond d'investigation qui a fait un dossier sur les origines de Macron qui était allé organiser une belle levée de fonds aux États-Unis avant d'être candidat à la présidence de la République. C'est bien le jour où le président des États-Unis est en visite d'État en France. Oh ben le jour où Amazon s'est installé la semaine passée. Merci. Alors, plusieurs choses. Premièrement, Manon, à part bégayer et ne pas répondre aux questions, tu fais pas grand-chose. Il t'a imposé une question sur les petites et moyennes entreprises, sur les TPE, et toi, tu parles encore de « oui, mais Starbucks, les hyper-profits », enfin bref, tu parles encore à côté. Et je trouve que, parce que c'était pareil avec Bruno Le Maire, mais je trouve que c'est trop court. Enfin, le mec, il pose des bonnes questions. Je comprends pas pourquoi l'interview, entre guillemets, dure pas plus longtemps, quoi. Parce que là, il lui a posé trois questions, et les trois questions, elles étaient mises à mal. Et le mec, il dit, ah non, mais plus de questions. Mais non, mais enfin, je connais pas spécialement le gars, là, Tom Benoît, mais il est bon, le gars, il est bon, tu vois. Bon, on va voir celle-ci. Un pays comme la France, selon vous et votre famille politique, à combien se situe le taux convenable d'imposition pour que le pays puisse fonctionner? Oh bah 80% ouais. Oh 80% ouais, puis on va tout redistribuer à Mamadou, ouais. Bah faut qu'il vote pour nous Mamadou. D'abord partons de la réalité. En pratique, nous avons quasiment tous le même taux d'imposition en France si nous comptons l'ensemble des impôts que nous payons, notamment la TVA, qui est le premier impôt en France. Et en réalité, ceux qui sont les moins bien payés sont les 0,1% les plus riches. Non, mais et il donc, faut le comparer aux autres pays. Il y a des pays qui sont moins imposés que la France. Je vous dis que le taux de prélèvement obligatoire des 0,1% les plus riches est près de deux fois moins élevé que celui des 50% les plus pauvres de notre pays. Donc, c'est aujourd'hui ça l'enjeu de rétablir de la justice fiscale, de contribuer à hauteur de ses moyens. Il n'est pas normal que quelqu'un comme Bernard Arnault paye en proportion moins d'impôts que vous, moi, il paye ou 5 milliards d'impôts en France. Mais et pourtant c'est une proportion, il effectue monsieur. Seulement 4 à 5% de son chiffre d'affaires chez LVMH en France. C'est 40% en Asie. C'est d'une proportion. 5 milliards. C'est d'une proportion, monsieur. Ça n'est pas assez 5 milliards. Ce n'est pas assez 5 milliards. Non. On va lui prendre tout son argent à Bernard Arnault, parce qu'on n'aime pas les riches, et on va le distribuer à Mamadou, comme ça Mamadou il vote pour nous, et ensuite on est député et on gagne 7000 balles par mois. Mon Dieu, mais ces gens... Quand vous avez aujourd'hui une caissière, par exemple, qui va être imposée en pratique à plus de 50%, parce que je le rappelle, si vous êtes un expert fiscaliste, le premier impôt en France, c'est la TVA. Et c'est un impôt qui est foncièrement injuste. Parce que plus vous consommez, plus vous payez d'impôts. La TVA est injuste. Si la France insoumise était au pouvoir, est-ce que la TVA serait abaissée? Est-ce que l'imposition serait abaissée? La TVA serait abaissée sur notamment les produits de première nécessité pour avoir un taux à 0%. Elle serait abaissée sur les transports en commun. Elle serait abaissée sur le train, puisqu'on paye, on parlait juste à l'instant du prix du train. Son électorat, le fraude en règle générale.
les transports en commun, donc bon, ça changerait pas grand chose. C'est payé, l'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui est payé à partir de 1,5 million de patrimoine. Mais vous le savez avec comme 20 moi que années, le patrimoine... Madame Aubry, avec 20 années de taux négatifs, vous savez que nos concitoyens se sont constitués, j'aimerais terminer sur ce point, se sont constitués un patrimoine, se sont constitués un patrimoine immobilier qui dépasse très régulièrement le million. La dépense publique, Madame Aubry, qui est la plus... Je peux vous répondre ou pas? Oui, oui. Donc, s'il vous plaît. Donc là, vous évoquez la situation économique, mais vous le savez comme moi, si vous êtes un expert, que le patrimoine détenu par les plus riches de notre pays n'est pas uniquement le patrimoine immobilier, mais d'abord et avant tout le patrimoine financier. Est-ce que vous trouvez normal que le patrimoine financier... Est-ce que vous trouvez ça normal que le patrimoine financier soit exonéré d'impôts quand... de nouveau, quand quelqu'un qui gagne un salaire, lui, va être taxé. Mais donc c'est une forme de taxation qui est profondément... Si vous parlez sur ma voix, ça ne me permet pas de vous répondre. Oui, mais je peux quand même vous poser des questions, madame. Oui, mais je peux répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? C'est de faire en sorte que, comme disaient les Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petits et qu'on paye à hauteur de nos revenus. Donc et le projet c'est politique pour ça des Gilets jaunes. Je me battrai pour une redistribution des richesses. Je peux vous poser une dernière question, madame Aubry. La dépense publique, 60% par rapport au PIB en France, PIB de 2600 milliards. Est-ce que c'est trop ou est-ce qu'il faut augmenter la dépense publique pour construire à nouveau plus de logements sociaux et plus d'assistanat? Question logique, hein, ça. Alors, là aussi, vous permettez-moi de vous le dire, votre question est biaisée. Vous et quand vous dites plus de logements sociaux et plus d'assistanat... Elle n'est pas biaisée, je vous dis pourquoi, parce que nous avons 70% de personnes si éligibles aux logements sociaux. Si vous n'aimez pas mes réponses, je peux le comprendre, mais absolument pas, je n'ai aucun problème répondre. Avec vos réponses. Donc, moins de logements sociaux, ça veut dire vous quoi, monsieur dire ça veut dire plus de SDF. Ça veut dire, vous avez déjà 300 000 personnes dans notre pays. Ça peut être également plus de personnes qui travaillent et qui parviennent à vivre de leur travail, bien sûr. 300 000 personnes qui vivent sans toit dans notre pays, plus de quelques dizaines de personnes qui sont déjà mortes dans la rue. Ce n'est pas un autre sujet. À quoi sert le logement social? À faire en sorte que le droit le plus fondamental dans notre pays, c'est d'avoir un toit sur notre tête. Et moi, je continuerai à me battre pour que tout le monde ait un toit sur notre tête et à défendre le logement social, monsieur. La une de Géostratégie. Bon, magazine. Elle ne portera pas sur la dépense publique, puisque je n'ai pas eu ma réponse. La une de Géostratégie magazine, Israël, Palestine, le choc des civilisations, un numéro qui est en kiosque, jusqu'au mois de mars. Il régale. Lui, il régale. Franchement, lui, il régale. Déjà que sur Bruno Le Maire, j'avais beaucoup apprécié son intervention, mais là, contre Manon Fromage, mais Manon Fromage, c'est un truc de zinzin. Elle répond pas aux questions. Donc, elle répond à côté. Le mec lui dit, non, mais en fait, on parle de ça. Non, mais laissez-moi répondre. Mais oui, mais tu réponds mal, en fait. Manon Fromage. Non, mais alors ça, mais... Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'a terminé. C'est une vraie photo, ça? Je me l'armais. Je taxe. Il n'est pas normal que les petites entreprises payent à la place des grandes. C'est une vraie photo ou c'est qu'on a vu derrière vous, là? C'est une vraie photo, ça. Ce truc-là. Ce machin, c'est vrai. Dis-moi que c'est l'IA. Dis-moi que c'est l'IA, s'il te plaît. C'est pas possible. Ah là 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 là. Ouais. C'est pas possible. Bon bref. Ouais, j'ai pas à m'en faire. Ah la vache. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le plus hein, c'est... Manon, on t'aime, vraiment. Je pense que c'est un message d'amour. C'est Manon, t'es en perdition. Non mais regarde-toi. T'es sûrement devant le Parlement européen. Et regarde commenter. Non mais. Manon, reviens. Bébou. Ah bon, bref, j'arrête. Ciao.